Allô, début du vlogmas numéro 2. Et aujourd'hui, je vous avais promis, ben en fait là, en ce moment, il est vraiment tard, by the way, là, il est genre 5h30. Je vous avais promis de faire un apartment tour et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Pourquoi je commence à vlogger aussi tard, c'est que j'ai étudié toute la journée, sérieux, je sais pas si vous voyez ma tête de cadavre encore une fois, là. Ça fait 2 jours de suite que j'ai cette tête-là, mais genre, on a juste étudié non-stop, Mathilde a couché à la maison, puis... On a étudié toute la journée. Là, je suis plus capable, donc c'est comme mon petit break de vous parler un petit peu. Puis ce soir, je vais... Mais en fait, je vais juste souper, puis après ça, je vais recommencer à étudier. Mais bon, là, en ce moment, on fait la pote, mais... J'ai tellement fait un saut, c'était genre le... Push-push automatique, là. OK, ouf. On fait le apartment tour. En ce moment, je suis à l'extérieur de mon appartement. Donc, je suis vraiment excitée de vous montrer mon appartement de Noël. Donc, je vais vous virer de côté, tout le monde, les amis. OK. Donc, pour commencer, comme on rentre ici, là, il y a mon petit rack à souliers qui est beaucoup trop petit pour les capacités de mes souliers, là. Puis, ben c'est ça. Ça, c'est le petit hall d'entrée. Je vais pas tout vous montrer tout de suite pour ça. Ça, c'est ma cuisine, gang. Ça, je sais pas si vous avez vu dans mes anciens vlogs, probablement. Ça ressemble à ça, là. Comment je peux faire pour focusser, là? Ça focus mal, ça. OK. Fait que ça, c'est ma cuisine. Petite cuisine bien normale. Voilà. Et ça, c'est le hall d'entrée que vous avez vu avec le rack à souliers juste ici. Puis, sinon, là, il y a ma table à manger que j'ai mis cette petite décoration de Noël, là. C'est un petit centre de table cute. Et voilà. Et là, on va aller dans ma salle de bain. Ça, c'est ma petite salle de bain avec moi. Ça, allô. Et spotted ici, Winter Candy Apple, aka le meilleur, la meilleure fragrance du Bath & Body à l'hiver. Puis sinon, ben là, c'est une petite salle de bain régulière. Elle n'a pas changé pour ceux qui l'ont vu dans mes vlogs cet été quand je déménageais. Ça ressemble à ça. Et voilà la pièce la pièce maître, si je pourrais dire. Ça, c'est mon divan que vous avez probablement déjà vu avec ma toile qui est juste ici. Mais là, j'ai rajouté un petit coussin, puis regardez comment il est beau! Si vous voulez vous les procurer, là, il y en a, je pense qu'il y en a de même, puis il y en a des reines chez Kanak Marquis. Je suis pas sûre, OK, parce que c'est ma mère qui m'a acheté ça, mais je sais qu'elle a pris Kanak, si vous voulez. Et là, sur ma petite table ici, j'ai mis... Eucalyptus Mint, qui est une chandelle du Bath & Body beaucoup trop bonne, avec des petits flocons dans ma petite assiette, voilà, décorative. Ça, ça l'a pas changé. Puis ici, ouh, je suis toute énervée. Ça, c'est mon petit sapin. Regardez comment il est beau. Puis c'est ça. Là, si vous vous en rappelez, normalement, cette caisse-là est genre comme ça, de ce sens-là, pour que je puisse ranger les trucs. Mais là, j'ai juste viré de bord pour pouvoir mettre mon sapin dessus. Puis j'ai déposé des petites figurines ici. Ils sont trop belles. Puis sinon, là... OK, c'est genre le même petit bonhomme en vente chez Kanak aussi, mais genre, c'est le même que le coussin, mais la petite figurine. OK, check-y la face, OK? Genre, oh fuck, ça focus pas. Check-y la face, comment il est beau! En tout cas, voilà, un petit peu trop de joie ici présent. Et sinon, sur mon meuble à thé que vous aviez déjà vu, qui est juste ici, j'ai déposé un petit nounours trop beau. Le cadre de mes parents qui était juste là avant, ben je l'ai mis juste ici. En fait, c'est le cadre de ma famille entière. Hey, ça, c'est un huge throwback en passant, là. C'est moi en... Je sais pas si on peut voir la photo comme du monde, là. C'est moi en secondaire 5 à mon bal. Et j'ai mis un petit sapin ici. Ça, ça l'a pas changé. J'avais mis des photos de... Ben, en fait, des photos de mon Instagram. Puis là... D'ailleurs, je l'ai pas encore depuis août, ah, je l'ai pas encore arrangé parce que la rangée de là est comme trop slack, fait que je peux pas mettre les trois autres photos. Bref, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais il faut que je fasse ça. Ça fait depuis août, faut que je fasse ça. Puis sinon, ben là, on rentre dans le vif du sujet qui est ma chambre. Donc, j'ai vraiment de la misère avec le focus, désolé gang. Ça, c'est mon lit. Et j'ai accroché une petite guirlande rouge que vous voyez ici avec des petites lumières. Et en haut, j'ai acheté ça au Dollarama, OK? Regardez comment c'est cute. C'est genre une petite corde à linge. Puis, avec des... Ben, comme vous voyez, là, il y a des épingles de... Genre, de Noël.
Puis là, il manque des trucs sur ma corde à linge, là, mais il va falloir que j'imprime au fur et à mesure. J'ai juste mis une photo de ma famille à Noël, ici, puis une petite carte que j'ai reçue d'une compagnie ici. Mais sinon, je trouvais ça vraiment cute, là, parce que il manque de quoi où mon lit, normalement, là, c'est tout le temps vide. Mais là, j'ai mis ça en attendant. Mais quand ça va plus être Noël, je vais essayer de me trouver un cadre ou quoi que ce soit, parce que je trouve ça vraiment, vraiment vide. Et sinon, ben ça, c'est ma petite table de chevet. Puis là, ça, c'est des DIY que j'avais faites l'année dernière, je pense, si je ne m'abuse. C'est vraiment pas très compliqué, là. En fait, c'est des pots maçons avec des petites brindilles et des petites décorations. Puis je l'ai mis sur mon petit bout de bois que j'avais. Ça, c'est la bougie noix magique de chez David City que j'adore. Et sinon, ben là, on tombe dans mon coin maquillage qui a pas changé. Je sais pas si vous l'aviez vu. En tout cas, bref, ça ressemble à ça. Mon petit meuble de maquillage. Et ici, ça, c'est tout mon coin bureau qui, là, en ce moment, est genre ma deuxième maison. En fait, je pourrais dire ma première maison. Ça, c'est tout. Je sais vraiment, c'est tous mes livres. Puis là, mon bureau, j'ai essayé de le nettoyer pour vous, mais en tout cas, ça ressemble à ça. J'ai ma petite bougie Pref qui fit un petit peu trop avec la crème. Hein. Juste vous mentionner que, checker comment il en reste plus, là, ça fait même pas 4 jours que je l'ai. Pauvre moi. Genre, il va falloir que quelqu'un me fournisse. C'est un petit message subtil pour ma famille. Et voilà, ici, c'est mes weekly planners. Je vais vous en parler davantage dans une vidéo Néon Piquant qui va apparaître la semaine prochaine. Et en fait, c'est ce qui m'aide à vraiment être planifiée pour mes fins de session. Là, genre, tout qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans une journée sont écrits là-dessus. Puis, ben, c'est ça. Je trouve que ça rajoute un petit peu de structure au bureau. Là, ça fait comme un petit coin renfermé. Ben, pas un petit coin renfermé, mais genre un petit coin plus... En tout cas, vous comprenez, là, genre, ça a plus l'air d'un bureau officiel. Et ici, bien sûr, mes tablettes, j'ai mis des DIY. Je sais pas si... Hey, commentez dans les commentaires ceux-là qui ont vu les DIY de l'année passée que j'ai faites sur ça et sur ça. Ça, ça veut dire que ça fait longtemps que vous me suivez, que vous êtes des real. Mais voilà, j'ai mis mes petites décorations sur mes tablettes. Et sinon, qu'est-ce que j'ai changé ici? Pas grand-chose, là, mon trépied est neigeant. Mais il n'y a pas grand chose qui a changé, sauf que j'ai acheté des petits vernis de chez Essie spécial Noël qui sont vraiment cute, que j'ai mis là parce que je trouvais qu'ils fitaient avec mon décor quand même. Et voilà, ça ressemble à ça mon appartement tout le monde. Petit fait d'hiver, là, vous me voyez en ce moment dans le miroir. Je sais pas si vous avez vu la photo que j'ai postée sur Instagram ce matin. Sinon, ben, je vais la mettre juste ici et le lien de mon Instagram également. Puis... genre, je sais pas si vous avez remarqué que j'avais cette laine-là, ok? Genre, un gros behind the scene de moi qui fait des photos, là. j'ai genre enlevé mes pantalons, mais mes pantalons, vous voyez en ce moment, pour prendre la photo puis avoir de l'air cute, genre Tumblr. Puis je me suis détaché les cheveux, puis genre mon ami me prenait en photo, ok? Puis vous auriez dû voir la scène, c'était genre, bon Mathilde, là fais ça, 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 ça. Puis après ça... 2 minutes plus tard, genre, elle avait même pas fini, j'étais là, ok, Mathilde, je suis tannée. J'ai remis mes pantalons, je me suis refait une toque, j'ai fait, c'est beau, il va en avoir une de bonne là-dedans, je suis plus capable. Donc, c'est là que vous voyez que Instagram, c'est pas la réalité, gang. Je suis vraiment pas cute dans la vie. Donc voilà, c'était pas mal ça, mon apartment tour. C'était quand même assez bref, mais comme vous voyez, mon petit milieu de vie est assez petit. Et mais je suis vraiment bien. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez, si vous trouvez ça joli. Moi, ben, je suis en amour un petit peu là avec mon appart. Tu sais, ça fait 6 mois que je l'ai, donc je suis pas vraiment tannée. Puis là, depuis qu'elle est en décoré de Noël, genre, je trippe ben raide. Là, je suis un enfant, j'ai vraiment hâte d'arriver chez nous puis d'allumer mon sapin de Noël, genre. En tout cas, vous commencez à me connaître, là, vous êtes capable d'imaginer la suite, là. Puis c'est ça. Là, gang, je vais aller prendre un bain, enfin. Genre, sérieux, je pense que ce que je vais faire ce soir, en fait... J'avais l'intention de... Il faut que j'étudie encore, mais je pense que je vais aller m'acheter du vin. Puis je vais lire un petit peu dans mon bain avec une coupe de vin. Puis je vais m'accorder un gros free time avant de recommencer, là, genre avant souper, tu sais. Je vais recommencer à étudier vers 7h30, 8h, je pense, parce que pour vrai, là, je suis plus capable. On s'est levé à 8h, puis on n'a pas arrêté depuis ce temps-là. C'est juste ridicule. En tout cas, bref. J'espère que vous avez apprécié mon apartment tour. Demain... J'avais l'intention de vous filmer une vidéo, en fait, de faire un vlog, mais ça va être dans un créneau d'un vlog, mais plus une vidéo, parce qu'il y a une vidéo qui me tracasse depuis très longtemps et que j'ai vraiment envie de filmer pour vous. Et c'est des idées de cadeaux de Noël, mais gratuits. Complètement gratuits, là. Quand je vous dis gratuit, c'est gratuit. Puis c'est pas des idées plates du genre déblayer l'entrée de mon père, là.
Mais ouais, c'est vrai une idée de vidéo qui me tracasse depuis longtemps, puis j'aimerais vraiment ça la filmer. Encore une fois, vous me direz si ça vous tente de voir ça. Moi, je pense que ça peut être intéressant. Puis honnêtement, ça fait quand même longtemps que je travaille, ben, que j'écris des pistes pour cette vidéo-là, puis j'avais hâte de la filmer. Parce que oui, mon retour était prévu pour Noël, parce que j'aime trop les vidéos de Noël. Mais ouais, c'est pas mal ça. Vous me direz si ça vous tente de voir ça. Puis on se revoit demain pour un autre vlog. Bye bye! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allô? Je suis là. Oui, c'est vraiment bizarre, hein?